Aujourd'hui, je vais faire ma chambre à fond. J'ai changé tous les draps et tout. Allez, c'est parti. Voilà. Ce spray est incroyable. Mes bébés, j'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Regardez comment je suis bronzée. J'ai la peau super foncée. Bref, je suis en nage. Il fait très chaud là. Je comprends plus le temps. Un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il fait chaud. J'ai fait ma chambre à fond, je suis en nage. J'ai trop chaud et je prends le café avec ma mère. Mon dieu, j'ai attaché mes cheveux. J'ai trop chaud. J'en peux plus. Bon, le bébé, je vais aux courses avec ma mère. Regardez comment elle est toute belle. T'es concentrée quand tu conduis, hein? Non, je suis dans les pensées, c'est pas pareil. Tu pensais à quoi? Appeler le truc à la fois. À ton mec? T'es un mec, maman? J'aimerais trop avoir un beau-père. 10, je fais Mon bébé, je vais aux courses avec ma mère. Et là, j'ai un problème capillaire. Regardez, j'ai plein de nœuds. Et en fait, mes cheveux, quand je fais pas le brushing, je les laisse sécher comme ça. Ben, le premier jour, c'est joli. Et le deuxième jour, c'est... On dirait qu'ils sont sales alors que je les ai lavés hier. Hier matin. Ma mère, elle en peut plus de moi parce qu'en fait, j'ai vraiment un problème. Je vous jure, chez moi, j'ai une tonne de lessive et de souplines. Mais vraiment une tonne. Et en fait, je sais pas, j'ai un toc. J'aime trop acheter les sprays qui sentent bon. Ouais, mais on fait les courses pour le tissu, les sprays pour l'air et les lessives et les souplines. C'est une passion carrément. C'est où le rayon de la lessive? Je vais aller acheter plein de lessive, mais je vous jure, chez moi, j'ai le stock. Non, mais je sais pas, j'aime trop. Non, c'est que j'aime trop. Non, c'est une passion. Voilà, par exemple, vous voyez ceux-là. Oh, ils sentent trop bon. Mais j'en ai, j'ai pas fini. Ouais, alors, mais j'aime trop. Mais arrête, c'est bon. Mais c'est moi qui achète. Oui, je m'en fous que j'achète ou pas. Qu'est-ce que j'en fasse, moi? J'ai plus de quoi les Je vais les ramener à Douai. J'ai une nouvelle soupline, elles sentent trop bon. La soupline, ça y est, m'a saoulée. La soupline de la marque soupline. Ah, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Elle est incroyable. Attendez, je vous mets la photo. Et même la dernière fois, j'ai acheté une lessive, mais il y en a une autre qui est mieux. C'est la Réelle originale. En fait, elle est irremplaçable. En fait, c'est celle que je t'avais dit. Elle est irremplaçable. Et j'ai vu une pub. C'est des. Je l'ai vu à la pub. Non, mais c'est quoi en gros? C'est de la marque Soupline et c'est genre des grosses billes comme ça que tu mets dans la machine. J'aime trop. Je les cherche. Voilà, je vais les chercher. Je l'ai vu à la publicité d'avant. Je regarde sur internet. Par contre, mes billes là, Soupline, en fait, c'est pas des billes. Il y a marqué billes, je les ai. C'est des trucs ronds comme ça. J'ai trop envie d'essayer. Je trouve pas mes billes. Et ma mère, je la rends ouf avec ça. On est rentré sans chariot. Combien j'en prends là? Vas-y, rajoute. Combien j'en veux encore? 2, 3. Ma mère, Salia Guenam, l'influenceuse, en train de faire des stories. Vas-y, fais ta story. Non, mais tu sais ce que je veux dire? Je vais t'insulter en story. Regardez, et sa voix, tout le monde. Elle va changer, voilà, regardez. Oui, ma voix change, elle est très belle ma voix. Non, elle parle pas en comme fait, ça en regardez, vrai. Regardez. On regardez. Achète de la lessive. Voilà, en fait... Maintenant, on peut aller acheter à manger. Ah, mes déos. Vous savez, mes déos, ils ont changé la couleur. Avant, ils étaient roses, maintenant, ils sont bleus. Le packaging, pas la couleur. Ouais, la couleur, ouais. Bah, si, la couleur. C'est lui, mon déo. Avec, je transpire pas. Mais là, j'en achète vraiment beaucoup parce qu'à Dubaï, ça n'existe pas. Donc il faut le stock. Il faut... Là je ramène à Dubaï. Les gods, j'en ai trouvé. En fait il faut regarder dans toutes les petites parfumeries parce qu'il n'existe plus. Et ils en ont que un. Je suis trop deg, mais bon, mieux que rien. Kesta ? Kesta ? Kesta ? Donne. Tu veux qu'on joue ? Oui. Ah, il me met pas content. J'ai trop peur. T'as laissé tout ça? Et oui, bon, mes bébés, depuis tout à l'heure, je fais du rangement. En fait, je vous explique. Depuis que je suis arrivée, en fait, j'ai pas défait ma valise. Donc là, j'ai rangé toutes mes affaires. Là, tout à l'heure, je vais aller chez le coiffeur. En fait, j'ai un problème. Regardez. J'ai lavé mes cheveux hier. Et en fait, quand je lave mes cheveux seuls et que je fais pas le brushing, je les laisse sécher comme ça à l'air libre. Et ben le lendemain, on dirait ils sont pourris. Regardez. Voilà. Et en fait, si je fais pas le brushing, et ben je suis obligée de me laver les cheveux tous les jours. Et comme j'ai la flemme et comme en plus j'ai coupé mes cheveux, j'arrive pas à faire le beau brushing. Je vais aller me faire coiffer. En même temps, je vais faire un bon soin. Mes cheveux, ils ont besoin d'un soin. Mes extensions aussi.
Parce que là, j'ai l'impression qu'elles sont secs. Mais en fait, mes extensions, c'est des vrais cheveux. Donc, j'en prends soin comme de mes cheveux. Mais regardez, je les ai lavés hier. On dirait qu'ils sont pourris. Et aussi, mes bébés, j'en ai marre de moi. Je me fais tout le temps des marques. Regardez là, j'ai une marque ici. Parce que j'ai un problème. J'aime trop toucher les boutons. Vous aussi, vous êtes comme ça? Je regarde les vidéos de boutons et tout. Je vais me faire un petit masque. Et faut que je passe mon lit aussi, que je mette les draps et tout. Maman? Quoi? Tu fais quoi? Je mange des fondues. Je regarde. Tu vas faire la sieste? C'est vrai, t'es fatiguée? Moi aussi, mais je vais essayer de faire dormir comme ça. Attends, là, j'ai rendez-vous. Regardez mes cheveux. Je les ai lavés hier. Comme ça, je dors tôt ce soir. Je prends un bon rythme. Regardez comment elle est trop Okay. belle. Qu'est-ce que t'as? Elle est timide, Imane. Qu'est-ce que t'as, Imane? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu te caches? Je vais te suivre. Mais pourquoi tu te caches? Bon, mes bébés, là, je vais me faire un petit masque. Alors là, c'est un masque à la rose. En fait, c'est le savon à la rose de chez Rose la Lune. Alors ça, c'est vraiment trop bien. Moi, j'ai une éruption de boutons. Donc là, je vais le laisser poser. En fait, c'est trop bien. C'est un produit, enfin, c'est un savon qui est naturel, que vous pouvez utiliser donc en savon et en masque, comme je suis en train de faire. Donc pour l'utiliser en masque, vous prenez, vous avez un pinceau, vous faites mousser, vous mouillez, vous faites mousser, et ensuite vous l'appliquez en couche assez épaisse. Et en fait, ça permet d'enlever boutons, points noirs, excès de sébum. Et c'est vraiment trop, trop bien. En plus, il sent trop bon. Et depuis que je l'utilise, ça, je fais à peu près un masque par semaine. Ben, je vois une amélioration au niveau de ma peau. Là, je pense que je vais être indisposée. C'est pour ça que j'ai un bouton là et là. En plus, je les touche, mes boutons. Voilà. Et donc là, je vais appliquer leur pépite. C'est le sérum ensoleant de chez Rose la Lune. Mes bébés, c'est incroyable. En fait, regardez, c'est un sérum qui est teinté. Donc, il donne un effet bronzé. Regardez. Mais c'est pas comme du fond de teint, c'est très très léger. Et ça vous donne vraiment un effet bonne mine, un effet bronzé, sans paraître orange. Très souvent avec les sérums ensoleants comme ça, quand vous les appliquez, après vous êtes toute orange. Et ben là, genre vous êtes bronzée, mais juste ce qu'il faut. Et c'est un beau bronzage, genre doré. Regardez. Alors ça, j'adore en mettre quand je me maquille pas, c'est-à-dire quand je mets pas de fond de teint. J'applique ça, je mets un petit peu d'anti-cerne, du bronzer, du blush. Et franchement, j'ai une trop bonne mine. Je l'aime trop. C'est vraiment mon produit chouchou de chez Rose la Lune. Et en fait, mes bébés Rose la Lune, donc c'est une marque française. Ils ont que des produits naturels. Et en ce moment, il y a une offre de dingue. En fait, à l'achat d'un seul produit, vous avez la box Rose la Lune offerte. Donc vous avez 6 produits pour le prix d'un. Donc dedans vous avez, je vais vous montrer une photo avec tout ce qu'il y a. Vous avez donc du coup le savon, vous avez le sérum ensoleant, incroyable ce produit. Vous avez le pinceau, vous avez une palette, vous avez un bronzer. Je vais vous mettre la photo. Et donc avec mon code promo à l'achat du sérum ensoleant, vous avez la box offerte, donc avec 6 produits. Sachant que la box de base, elle coûte 59 € mes bébés. Donc c'est vraiment une offre de dingue. Je vous partage tout ça. Bon mes bébés, en ce moment, comme je suis souvent avec Imane, ma demi-sœur, vous me posez tous la question de comment ça se fait que c'est ma demi-sœur. Alors en fait, je vous explique. En fait, la petite sœur de Imane, c'est ma vraie demi-sœur. Donc on a le même sang. En fait, c'est la fille de mon père. On a le même père. Et en fait, Imane, on a grandi ensemble. En fait, comme on a plus le même âge et tout, je la connais depuis toujours, en fait, depuis que je suis née. Et ben, on a toujours été collés. Et même si, genre, elle et moi, on n'a pas le même sang, ben, sa sœur et moi, on a le même sang. Pour moi, genre, c'est vraiment comme ma sœur. Voilà, comme si qu'on avait le même sang. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus proche d'elle que de ma petite sœur. Ma petite sœur et moi, genre, on fait que. Ça fait bizarre de dire petite sœur, mais.
Mais on fait que se disputer, elle et moi. Voilà. Mais j'aime de tout mon cœur. Et si vous voulez, on a grandi ensemble. On se connaît depuis toujours. Mais j'ai toujours été très, 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 très proche de Imane. Genre, on a toujours fait les 400 coups ensemble. En fait, on a toujours marché ensemble depuis qu'on est petite. Et donc, du coup, voilà. L'histoire de Imane et moi. Elle est trop belle. Et là, elle regarde mon tatouage. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se ressemble pas du tout. Parce qu'en fait, on n'a pas Même en de personne, je lien ne de ressemble sang. pas. Ouais. Moi, vite fait, hein. Ah, si, ah, si. En fait, sa Avant que petite tu m'appelles, sœur, je c'est me ma ressemble petite pas. sœur. Putain, ça fait bizarre, hein, à dire ta sœur, c'est ma sœur. C'est trop bizarre. Bref, là, mes cheveux, c'est une catastrophe. Je vais faire une bonne douche et je vais aller Et on va me faire faire un bon coiffer. brushing, Et bonne un bon douche. soin, surtout. J'ai besoin d'un soin Botox. Je vais faire un soin Botox. Parce que là, mes cheveux, ça... ah, pas du tout. Ça va du tout. Je les ai lavés hier. En fait, c'est parce que je les ai pas. J'ai pas fait de brushing. Je les ai laissés sécher comme ça. Mais ici, j'ai trop mal. En fait, je vous explique. J'ai fait deux fois les UV cette semaine. La première fois, je les protégeais. La deuxième fois, j'ai oublié. J'ai trop peur d'attraper un cancer de la peau. Regardez ma peau, comment elle est trop bizarre. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, bébé, aidez-moi, dites-moi, est-ce que c'est grave de faire des UV par-dessus du laser? J'avais oublié et depuis que j'ai fait les UV, j'ai trop mal, je souffre, je suis brûlée. Maman, j'ai trop peur. Mais non, c'est J'ai rien. Mais quoi? je sais pas, je suis pas dermatologue, mais par contre, tu devrais Non, aller non, voir mais les regardez mes dermatologues. bébés. Il fallait pas faire les yeux par-dessus, je pense, tu Ben non. Mais ça, c'est logique qu'il fallait pas faire des UV par-dessus. Mais J'ai un truc grave? non, c'est pas grave, c'est cutané, c'est rien. On va te Non, mais mettre regarde, c'est une blanc, ça pommade. me brûle, tu sais que ça me fait mal. Ben, Je déjà, te ça te mettre une coûtait, non? pommade. Oui, mais ça a coûté déjà d'avant. Oh putain, attends, monte à l'étage, j'ai une pommade esprit. Regardez. Oh Ça va être la pommade, c'est tout. mon Dieu, mon Dieu. Je vais me laver les cheveux, mais finalement je vais pas faire un soin Botox, je vais faire un soin démêlant. Mes bébés, je voulais vous présenter la marque Miami Gloss. Donc c'est une marque où ils ont un shampoing, un masque et un soin Botox. Et je vous jure l'odeur, je viens de les ouvrir, ça sent trop bon. Donc c'est à base de kératine de végétal, d'huile d'amla, ce sont des produits vegan. Donc là vous avez le shampoing. Là, je vais l'utiliser avec le masque. Ça sent trop bon, mes bébés. Je vous jure, l'odeur, elle est incroyable. Ça, c'est ce que je vais utiliser. Et vous avez aussi le soin Botox. Regardez la différence entre le masque et le soin Botox. Vous voyez, le soin de Botox, il est beaucoup plus compact. Et ça permet d'enlever toutes les fourches, de réparer les cheveux en profondeur. Tout le monde me le dit. De là, je le sens, ça sent la framboise. Et il Ils sent sont trop bon. archi Tellement que Iman, elle va en prendre pour le salon. Elle va le tester. Il sent trop bon. Oh C'est là incroyable. Ça sent de là-bas. T'as vu? Donc là, elle me fait le shampoing. Hop là, je vais vous mettre tous les bienfaits à l'écrit. Mais déjà, il sent trop bon. Ça sent malade. Ouais, il sent le bonbon. Je vous jure, ça sent trop bon, cette gamme. Fais quoi?
Et là, du coup, ma bébé, elle m'applique le masque. Alors déjà, il sent trop bon. Et en fait, il permet de réparer les cheveux, de rendre les cheveux souples, brillants. Et je vous jure, ça sent le bonbon. Ça sent trop bon. Regardez, ma petite soeur, elle a fait la couleur plus le soin Botox Miami Gloss. Donc du coup, je vous montrerai le résultat quand elle aura fini. Regardez le résultat, la brillance du soin Botox. Incroyable. Regardez la souplesse. Oh, Chanel! Oh, mon bébé! Bon, mes bébés, je suis au lit. Je suis fatiguée, je me suis levée tôt. C'est bien, j'ai pris un bon rythme. Je me languis trop demain, mes bébés. Vous savez à quel point, vous savez pourquoi? Vous savez qui vient à Marseille demain? Mon binôme. Akram, il arrive demain à Marseille. Comment j'ai trop hâte, mes bébés. Comment je suis trop contente. Il m'a trop manqué. En plus, ça fait des années qu'il n'est pas venu à Marseille, je crois. Ça doit faire au moins 2-3 ans. Et bref, en plus, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Il m'a trop manqué. Je suis trop contente qu'il vienne et de passer du temps avec lui. Les pieds en arrière. Ouais. Encore. T'as dit? T'as dit serpent. Où sont les serpents? Où? Dans la piscine. Tu as vu les serpents dans la piscine? Oui. Et tu as fait quoi au serpent? Au serpent, il a fait... Il a fait mon bise avec sa dame. Je vois avec ma dame. Non, mais de quoi? Je me mets. Quand tu fais des plans à moi et que tu fais des photos avec moi, on y va, bébé! Coucou, c'est moi! Voilà, c'est trop bon. T'as vu? Voilà, c'est trop bon. T'es content d'avoir une maman comme moi? Oui, trop bon. Tu te régales, mon fils? Trop bon. T'as vu? Ouais, c'est trop bon. Bon. Ma vie, ils m'ont offert un cadeau de Saint-Valentin. Des Raffaello avec une carte. Oh, c'est mignon. C'est terriblement mignon, ma vie. À Valentine. Baby, in my parents.